Je m'appelle Jean-Paul, je suis en 3e SECPA à l'EREA Sanguinaire. Avant, j'étais au Arthur Jeuven en 5e, 4e SECPA. Et mon projet, c'est de faire un CAP vente ou HR et j'hésite encore. Je m'appelle Sarah, je suis en CAP café, hôtellerie, café, restaurant. Et l'année dernière, j'étais en 3e SECPA. Tu as les étagères à faire, les frigos. Au bar, on va en mettre deux. Un volontaire. Allez, Nicolas. Ranger l'étagère à produits d'entretien en cuisine. Océane, avec ton bras en écharpe, je pense pas que ce soit une bonne idée. Lucas. Vous êtes une enseignante heureuse. J'espère. Est-ce que ça se voit sur ma tête? C'est l'impression qu'on a en tout cas. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'évidemment, il y a des jours où ça me fatigue, comme n'importe quel autre métier où on en a marre. Des inconvénients. Toujours est-il que j'aime ce que je fais et que j'espère que les enfants le ressentent et qu'ils aiment être en cours avec moi, en tout cas. Voilà. La gratification, elle vient d'où? De leur insertion professionnelle avant tout. L'objectif final, c'est que nos enfants, nos élèves, soient au maximum épanouis et confiance en eux et puissent s'insérer au mieux dans la société. Vous basculez. Hop. Je leur fais des câlins comme ça, j'en profite. On est beau, on est propre. Donc, mise en place. Marvin, oui. Allez, on commence avec toi. Tu viens de... De Vico, enfin de Piane. Tu étais au collège de Vico. Ben, quelle différence tu fais entre l'enseignement dit classique ordinaire et l'enseignement en SECPA, puisque tu as été dans une 3e SECPA? Qu'est-ce qui change? Ben, les profs, ils sont là pour nous, enfin, ils sont plus là pour nous. Ils sont à l'écoute. On apprend mieux parce qu'on ne fait pas tout d'un coup. Et c'est bien fait. Thomas, alors qu'est-ce qui te convient dans cette manière d'apprendre? Ils nous suivent plus. Ils nous aident plus. Ils sont plus là pour nous. Qu'en général, ce n'est pas pareil. Soit tu n'as pas une bonne moyenne, soit tu as une bonne moyenne. Pour eux, c'est pareil. Est-ce que vous trouvez, Marvin et Thomas, toi aussi, si tu veux nous dire quelque chose, que les SECPA ont une bonne image à l'extérieur? À l'extérieur, non. À l'extérieur, c'est plutôt négatif. Oui. Mais... Et vous souffrez de ça? Non, un petit peu, mais ça va. Enfin, on prend pas mal. Parce qu'on a tous un petit problème mentalement, mais on vit avec. Chaque personne n'est pas parfaite non plus. Donc, Tout le monde a un petit problème mentalement aussi. Hein. Donc, je pense que... Donc on le vit bien, soit une personne le prend mal, soit une personne le prend bien. Mais après, on avance avec, donc... Ça parle de quoi, alors, le projet d'Hermès? Mais en fait, Hermès, c'était un petit garçon qui est né dans une grotte. Là, tu rentres dans les détails. Ça parle de quoi? On est sur quel thème? Dieu. L'Antiquité. Et plus précisément, est-ce que quelqu'un... Oui? Le temps des dieux. Le temps des dieux, mais plus précisément... La mythologie. Voilà, donc en français, là, on découvre la mythologie grecque à travers les aventures de notre petit Hermès. Alors, Aurore, on fait de la mythologie en SECPA? Oui, on fait de la mythologie en SECPA parce qu'on trouve important de repartir de la base, des représentations initiales. C'est du nourrissage culturel pour essayer de combler un petit peu ce manque. Et grâce à la mythologie, on répond aussi à des questions qui touchent aussi nos adolescents de nos jours. Tous les profils sont présents en SECPA? Tous les profils sont présents en SECPA et tous les profils évoluent en SECPA, au sein de notre SECPA. Chacun a leur rythme. Mais vous voyez, là, tout à l'heure, il me disait, on sera comme des... J'ai fait, il y a la télé qui va venir, on sera comme des enfants normaux. Voilà. Voilà la représentation qu'ils ont d'eux. Pour eux, ils ne sont pas normaux. Hein, alors qu'ils sont... normaux, ils ont juste des difficultés d'apprentissage qu'on essaye de justement pallier en essayant de détourner. C'est surtout le rituel, le système scolaire habituel qui ne permet pas à ces élèves-là d'évoluer à leur rythme. 106 élèves venus de toute la Corse sont scolarisés à l'EREA. 50 d'entre eux sont internes. Travail en alternance, chantier extérieur, aide aux devoirs, activité du soir... Un programme chargé à découvrir dans un prochain volet. Chaque jour comme le dernier, par la